Les gens, c'est Vertius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait un tout nouveau design sur ma chaîne. Alors j'ai tout fait tout seul. Si vous suivez ma chaîne, vous pouvez voir que dans mes dernières vidéos et que dans le à propos de ma chaîne, je disais que je cherchais un designer. Étant donné que ça m'a mis 2-3 voire même un mois à chercher un designer, j'en avais trouvé un mais qu'à chaque fois il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps et qu'il était en stage, je me suis décidé à installer et à craquer mes propres logiciels et à me lancer dans le design, et je pense que je me suis pas mal débrouillé. Donc là vous pouvez voir l'outro, alors j'avais déjà fini, non vous pouvez voir l'overlay, excusez-moi, l'overlay c'est ce qu'il y a autour de la vidéo avec les bordures, donc normalement vous verrez un yop sur un pagou et pas mal d'autres choses. Donc là je suis en train de refaire l'overlay, j'en avais déjà fait une mais j'en fais une deuxième étant donné que la première avait pas une si bonne définition que ça et que c'était l'entraînement on va dire. Donc comme vous pouvez voir sur ma chaîne, logo, bannière, là normalement il y a une nouvelle intro et une outro. Donc l'intro je sais pas si je pourrais la mettre de sur il y a l'outro, mais voilà. Je me suis dépêché de faire cette vidéo parce que je suis en retard, normalement ça fait une semaine que je dois vous faire cette vidéo, mais j'avais des casques, j'avais tous mes casques et mes écouteurs cassés, je les retrouvais plus, j'avais que des problèmes là-dessus. Du coup j'avais à un moment réussi à faire ma vidéo avec le casque de mon frère. Et quand je suis allé chez mon père, en vrai je vous raconte un peu ma vie, mais j'avais tout mis sur une clé USB et ça avait enregistré que le projet mais pas les dossiers sources. Du coup j'avais pas eu mes enregistrements et je ne pouvais pas vous upload ma vidéo, du coup je dois tout recommencer. Excusez-moi pour le retard étant donné que les concours, donc si vous mettez cette vidéo c'est parce que le concours commence demain. Et oui, pendant 5 jours je vais faire un concours, en tout il y aura 25 gagnants, il y aura 5 millions de Kama à gagner. Donc je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes, etc. Et pour cela je vais vous faire gagner en tout 5 millions de Kama. Donc au cours, donc ça va être jusqu'au 23 décembre. Donc on a, là on est le 18, c'est la première partie, il y aura en tout 6 vidéos. Donc là la première partie ça va être la préparation du concours. Donc j'espère qu'il y aura un maximum de monde. Donc partagez cette vidéo, passez-la à vos potes, dites-leur de venir. Donc je vais vous dire toutes les dates et les horaires dans cette vidéo. J'ai fait un petit bloc-notes où j'ai tout écrit. Du coup, j'ai tout simplement pourquoi je vous fais gagner 5 millions de Kama, parce que j'en ai marre de chez moi, j'ai commencé 4 mois après sa sortie. Ne vous inquiétez pas pour mes abonnés et ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'arrête pas les vidéos Astuce Kama en attendant qu'un nouveau serveur sorte, parce que à ce que j'ai entendu, il n'y en aurait pas un avant au moins 2 mois, donc ça c'est assez... Ça m'énerve un peu, mais bon, je pense qu'ils sortiront, qu'ils vont sortir un serveur avant, surtout que les serveurs sont... Il y a vraiment beaucoup de population sur les serveurs et je pense qu'ils font ça par peur qu'il y ait une perte de population et qu'il y ait une perte d'argent. Bref, on n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo. J'arrête tout simplement le serveur parce que j'en ai marre. Je vais peut-être le reprendre un jour, c'est pour ça que je garde 1 200 000 Kama parce que là j'ai 6 M2 sur moi, j'ai une maison, j'ai un stuff. Donc je vais garder juste 1 200 000 Kama, je vais vous faire gagner 5 millions de Kama. Donc pour ce concours, donc le premier défi, on va dire qu'on passait au sujet de la vidéo. Je pense que si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est grâce au titre et c'est pour cela. Donc le premier défi, là il y a marqué tous les défis, tout commence à se passer, etc. Donc pour le premier défi, ce sera le lundi 19 décembre, donc demain. Donc faites partager pour qu'on soit un maximum. Moi je me connecterai, donc tous les concours se dérouleront à 16 h, je les fais dans des jours différents pour essayer que le plus de monde possible puisse être là, parce que certains seront en vacances, seront avec leur famille, ne pourront pas être là à ces horaires précis. Donc pour le premier défi, ce sera le lundi 19 décembre, donc demain, 1 000 000 de Kama à gagner, en me disant quel nombre j'ai choisi entre 0 et 100. Alors excusez-moi pour l'originalité des défis, mais j'avais trouvé beaucoup de défis différents, mais le problème c'est que c'était trop facile à les contourner et à tricher pour gagner les deux. Donc pour cela, j'ai fait des concours assez faciles qui nombreront personne, que tout le monde comprendra. Et ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Donc lundi 19 décembre, demain, 1 000 000 de Kama gagnant, en me disant quel nombre choisir entre 0 et 100. Il y aura 5 gagnants, je vais faire 5 fois, je vais choisir un nombre entre 0 et 100 pour vous montrer que je ne tricherai pas. J'écrirai sur un bloc-notes le numéro que j'ai choisi en vidéo et je posterai la vidéo bien sûr. Le point de rendez-vous, ça sera Zap du port de Madrestam. Donc moi, je me connecterai vers 15 h 15 h 30 et je recruterai, je dirais que je vais faire ce concours énormément de monde pour qu'on soit le plus possible et j'espère qu'on sera au moins une cinquantaine. Et les 5 premiers qui trouveront les 5 nombres que je dirais, ils gagneront tout simplement le lot. Donc à se partager, le premier qui trouvera, il gagnera 400 000. Le deuxième lot 300 000, le troisième 200 000, ça fait 900 000 Kama, donc il reste 100 000 à se partager entre les deux, le quatrième et le cinquième joueur. Deuxième défi sera le mardi 20 décembre, 1 million de Kama à gagner, de même 1 million de Kama à gagner. Donc pour cela, tout le monde devra aller dans ma maison à Brakmar, donc je vais vous la montrer de suite.
Là, je suis à l'âge des 20 animaux, donc je vais sortir, regardez. Là, vous prenez le circuit pour aller à l'âge des 20 animaux. Là, il y a l'hôtel de vente et vous rentrez dans cette maison qui est juste derrière. C'est ma maison. Le code, c'est 23, 23, 23, 23. Donc, c'est simple, vous mettez 4 fois 23 et vous pouvez rentrer dans la maison. Comme ça, seuls ceux qui auront vu la vidéo et de toute manière, je partagerai tout dans ma... dans le canal commerce et recrutement pourront participer à cet event. Donc pour ce défi là il faudra, en fait il y a trois étages dans la maison, donc à chaque tour en fait ça va se dérouler en plusieurs tours jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un participant et les 5 derniers gagneront. Donc en quoi va consister ce défi? Il y aura 3 pièces, chaque personne, tout le monde va devoir choisir une pièce, vous allez devoir vous mettre dans une pièce, vous ne devrez plus bouger. Les personnes qui bougent, je filme, elles sont virées de la maison et elles perdent, tout simplement, sinon il va y avoir beaucoup trop de tricherie. Alors, vous allez vous cacher dans une des 3 pièces, moi, pareil sur un bloc-notes, donc là c'est un jeu de hasard, soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Dans un bloc-notes, je vais marquer le numéro, donc soit salle 1, soit 2 ou salle 3. Tous ceux qui seront dans la salle que j'ai choisie seront exclus de la maison et perdront le défi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 personnes. Et elles se partageront le Nintendo Minikama. Comme elles seront toutes les 5, je ferai en sorte qu'il reste une seule personne, puis 2, 3, 4, puis 5. Donc ça c'était le deuxième défi. Pour le troisième défi, mercredi 21 décembre, donc dans 3 jours, toujours un Minikama à gagner. Donc ça c'est très, c'est assez, c'est pas du tout original, hein, beaucoup de monde en fait ça. Je me cacherai dans une map de Bonta et les 5 premiers qui me trouveront se partageront le lot. Donc point de rendez-vous, Zap de Bonta. Donc j'ai pas précisé aussi pour le défi juste avant, le point de rendez-vous c'est ma maison à l'âge des 20 animaux, hein, je le répète encore. Donc mercredi 21 décembre, point de rendez-vous, Zap de Bonta. Ensuite j'irai prendre les appis, je me cacherai dans des maps aux appis, donc je me cacherai dans des coins ou derrière des maisons. Donc je vous conseille d'aller dans les options du jeu et de cocher rendre invisible les décors, comme ça vous pourrez me voir à travers les murs. C'est pour que ça fasse un peu plus de difficulté, pour que ça n'aille pas trop vite. Donc je ne me cacherai uniquement là où il y a les appis pour que ça aille plus vite quand même, parce que si je me cache dans les égouts, vous ne trouverez jamais, je connais des maps secrètes et tout, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc je serai que dans des appis, vous n'allez pas me chercher ailleurs. Ce sera les 5 premiers qui me trouveront. Donc là ce sera une épreuve de rapidité et de chance. Donc pour le quatrième concours qui se déroulera le jeudi 22 décembre, il y aura aussi 1 million de Kama à gagner. Donc ça va être le même principe que le précédent, sauf que ça va être à Brakmar, hein. On se rejoint aux apps de Brakmar et à 16h pile, je pars et les 5 premiers qui me trouvent gagnent. Donc aussi je précise, pour me trouver, il faut dire trouver, hein. Il faut que vous marquez en canal je t'ai trouvé. Si vous passez mais que vous ne me voyez pas, je vous ferai pas gagner. Il faut vraiment que vous me voyez. Donc n'enchaînez pas les appuis en espérant que je vous fasse gagner. Il faut vraiment que vous me trouviez et que vous montrez là. Vous allez en face de mon personnage et vous dites que je suis ici. Pour bien, sinon il y aurait des tricheurs encore. Donc voilà. Donc le quatrième, le cinquième et le dernier défi concours, qui va être le vendredi 23 décembre. Donc je n'ai pas fait le 24 et le 25 simplement parce que je ne suis pas là. Donc j'ai préféré mettre 2 jours avant, comme ça tout le monde pourrait être disponible et s'arranger aussi tout le monde. Donc vendredi 23 décembre, 1 million de cam à gagner. Donc là, RDV, île de Noël pour le dernier défi. Et étant donné qu'on est quand même à l'event Noël, on va quand même faire les choses au propre, hein. On se cache, je me cacherai dans une map de l'île de Noël. Donc je pense que je me cacherai dans les zones agro pour compliquer la chose, et de même les 5 personnes qu'on trouveront gagneront le lot à partager en 5. Donc le point de rendez-vous île de Noël, première map quand vous sortez du bateau. Tous ces horaires seront à 16h, je serai connecté entre 15h et 15h30 pour commencer les recrutements, commerce et recrutement. Pour recruter en canal commerce et recrutement. Et donc voilà, donc j'espère que ces petits défis vous ont plu. 5 millions de camas à gagner. J'espère en tout cas qu'il va vite avoir un nouveau serveur qui va sortir. Comme ça, je vais pouvoir le rusher et vous faire gagner encore plus de camas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude et à vous abonner, à partager cette vidéo pour qu'on soit le plus possible à ce concours. Et surtout, le plus important, laissez un commentaire. C'est vraiment le plus important pour me dire comment vous avez trouvé mon commentary. C'est la 4e fois que je reprends cette vidéo à cause des problèmes d'enregistrement et de poids, tout simplement. La vidéo qui prenait trop de poids, j'ai dû aller sur mon dictaphone au lieu de filmer avec une vidéo. Donc, excusez-moi si il se peut que mon commentary ne soit pas super. À vous d'en juger. Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, ciao, ciao tout le monde.